ô éternel, rien ne peut résister à ton Seigneur. Dans les cieux, sur la terre, toi le Dieu de l'impossible, je viens à toi, Yeshua. Pour ce moment précieux, merci Seigneur parce que tu as permis que nous soyons encore en vie. Seigneur, c'est une grâce pour nous d'être dans ce mois de septembre. Donc, non pas une chance, mais c'est une grâce. Raison pour laquelle j'ouvre de ma bouche, le Père, pour te dire merci, merci de reconnaissance. Je n'ai rien à t'offrir, mais je te dis merci. Père, je te confie ce moment en tes mains. Prends au de belles contre toutes choses. Que tu sois présent en ce lieu. Gloire et honneur te soient rendus. Au nom de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Ok, bien-aimés, soyez bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, moi, c'est l'adorateur, la pape lyrique à l'état civil. Et le nom artistique, c'est Gospel Eric Ofadiez, la préférence du Dieu vivant. Pourquoi Gospel Eric Ofadiez? Voilà, parce que certaines personnes me demandent pourquoi Gospel Eric Ofadiez. Voilà, lorsque j'ai commencé la musique, j'aimais beaucoup cette note-là. Je n'ai pas de cette gamme de fa que tout le monde connaisse. Voilà, donc ça me, à chaque fois que je veux entamer un cantique, je me retrouvais toujours en fa et en fa dièse. Fa et en fa dièse. Dans cette altération de fa dièse qui m'a permis à pouvoir m'exprimer beaucoup dans la musique en chantant. Voilà, c'est pour cela que j'ai ajouté fa dièse. Maintenant, le gospel érico, comme en anglais, gospel qui veut dire tout simplement évangile. Voilà, donc nous sommes nés pour évangéliser à travers la voix que le Seigneur nous a donnée. Et Rico, parce que je m'appelle Paul Eric, donc j'accompagne, j'ai juste ajouté Rico, donc Gospel Eric Fadiez. Donc voici un peu la signification de Gospel Eric Fadiez. Et la préférence de Dieu vivant, parce que voilà, j'aime le Seigneur et je le préfère lui seul. Donc voilà, la préférence du Dieu vivant. Voilà, c'est une préférence de Dieu. Voilà, maintenant je voulais juste rappeler à tous les chanteurs et à tous les musiciens, servir le Seigneur, c'est pas facile. Surtout de nos jours, voilà, pour le service, c'est pas facile. Voilà pourquoi j'invite tout le monde à pouvoir vraiment se donner corps et âme à Christ et à faire l'œuvre de tout son cœur. Voilà, j'ai un idole, je vais dire, quelque part d'idole, je parle aussi de quelqu'un qui m'a soutenu. Voilà, même si on s'est jamais vu, voilà, je parle de mon papa Derek Jones. Voilà, Derek. Voilà, Derek Jones, c'est un artiste que vous connaissez très bien, un adorateur du Seigneur, qui m'a beaucoup inspiré. Aujourd'hui, si je chante beaucoup, si je chante comme ça, c'est grâce à lui aussi, parce que je l'ai tellement écouté et il m'a donné des inspirations. Et parfois, quand je chante, les gens m'appellent Derek, parce que j'aime beaucoup ses cantiques. Il y a plusieurs artistes que j'ai écoutés, comme Jonathan Gambela et Olé Mala, plein d'artistes, mais lui, il a été une référence pour moi. Une référence, et j'ai beaucoup aimé ses cantiques jusqu'à présent. Je continue à écouter ses cantiques. Comme le chant qui m'a beaucoup plu. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne pour la liberté. Bon, ça c'était le premier cantique que j'ai écouté. Lorsque je partais un jour filmer, je partais filmer dans une église. Et vers Bleu Marine. Veuble Marine, il chantait ce cantique-là. Donc, étant à la caméra, je filmais cet homme de Dieu. Et ce cantique vraiment m'a fait waouh. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'écoute cet homme de Dieu, ce chantre. Il m'a fait beaucoup, beaucoup du bien. Voilà. Et je tiens à remercier aussi à mon staff. Voilà, tous ceux qui me soutiennent en prière, les hommes de Dieu et les chantres aussi. Aujourd'hui, je suis avec mon arrangeur Shelty. Shelty, voilà, qui est en train de travailler sur mes cantiques. Et c'est aussi un serviteur de Dieu, vous le voyez comme ça. Voilà. Il est en train de travailler sur ces cantiques que le Saint-Esprit m'a inspiré. Rien ne peut résister devant le nom de Jésus. Et on sait tous qu'on a un seul Dieu. Et il s'appelle Elohim Jésus-Christ de Nazareth. Et je vous présente Shelty. Vous voyez, il est en plein boulot. Voilà, Shelty, c'est lui qui a tout le monde qui travaille sur ce cantique-là. Et il y a plein de cantiques qui sont en route. Voilà. Il y a plein de cantiques. Et c'est lui encore qui sera voilà, sur ces morceaux-là. Je vous présente Jean-Luc Héritier. Jean-Luc Héritier, voilà, c'est
C'est le responsable d'organisation de Powerful Voice, ce groupe que j'ai mis en place par la grâce de Dieu, Powerful Voice for the True Gospel, qui fait des puissantes voix pour l'évangile vrai. Donc c'est lui qui est le responsable de l'organisation et le chef d'orchestre de ce groupe. Et le 15 novembre, le 15 novembre, on vous invite le 15 novembre, le vendredi 15 novembre. Effectivement, Dieu va se manifester ce jour-là. Donc viens rechercher ton exaucement, viens rechercher ton intimité avec le Seigneur. Parce que le Seigneur te veut ce jour-là. Parce qu'il a prévu quelque chose pour toi. Sois béni. Dieu est bon. Chaque jour, il fait des miracles dans ma vie. Oh, Dieu est bon. Chaque jour, il fait des miracles dans ma vie. Oh, Dieu est bon. Dieu est bon. Et chaque jour il fait des miracles dans ma vie. Oh Dieu est bon, Dieu est bon. Aïe aïe aïe. Chaque jour il fait des miracles dans ma vie. C'est l'Éternel qui bénit. Yes. Sa bénédiction ne suivit d'aucun chagrin. Il m'a pris de la boue. Aujourd'hui, dans la cour des grands, déclaré stérile. Aujourd'hui, la stérile enfant cette fois. Ah, bien aimé, c'est le 15, hein? Le 15 novembre, vendredi, le 15 novembre, nous allons vraiment, waouh! 10h, 14h, Doc Studio à Blocos. Sois présent. Shalom. Bye. Et comme toi, mais car tu es fidèle, tu ne changes pas. Oh, oh, puissant, 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 tu es puissant.